nouveauté tactique, le coach choisit lui-même, il a raison, il gagne, c'est David Douillet. Ça arrivera peut-être de temps en temps, ça. C'est intéressant comme démarche. Bon, alors, t'es où mon petit passe-partout ? Deux clés ! Deux clés ! Oh, génial, deux clés ! Il n'y a que la clé à télo qui n'a pas marché, quoi. Hein. Bah oui, alors on compense avec les muscles. Et vous avez eu raison, vous êtes un peu sali. C'est pas grave. Pas grave, vous êtes sûr? Parce que pas pour la coup. Caméra, ça fait un peu. Maintenant, ouais. Néglige, ça fait un peu négligé. Oui. Bon, il est pas pour être beau, bon. Là, la cellule s'appelle le tromblon. C'est vrai que c'est ça. C'est pas vous le tromblon. Hein. Il y a deux personnes. Quelqu'un qui tire avec un fusil un peu particulier et quelqu'un qui, j'ose dire, l'amorce. C'est un fusil à pompe. Uh-huh. Hein. Donc il faut deux personnes, c'est un couple, je ne sais pas si vous voulez une femme ou deux hommes, ou une femme et un homme, comme vous voulez. Sarah qui c'est regarde votre choix. David. Sarah, peut-être pas envie de... Sarah, si vous ne voulez pas vous cacher derrière moi, je suis assez balèze, donc on ne vous voit plus. Non, bah, voilà. Alors, Sarah. Ah bon, Sarah qui va faire toi, quoi tu vas tenir le canon. Elle tient le canon. D'accord. Ouais. Et, d'accord. Et qui va amorcer la saucisse. Non mais c'est, attends, c'est très important pour lui. À la limite, c'est toi qui as le plus de responsabilité dans cette histoire. Concentre bien, surtout t'écoutes bien. Faut juste pomper alors. Tu pompes et après t'as une action. J'ai le droit de le dire ou pas? Bah ouais, en gros quoi, ouais. Oui, c'est le chef. Tu pompes et tu fais monter un soufflet et après c'est toi qui déclenche le tir. Ce serait pas un peu en cœur, dis-moi. Il faut se coordonner entre tous les deux. C'est-à-dire que c'est elle qui te dit, ça y est, je suis dans le viseur. Et toi, tu tires. Ça, c'est un coach. Vous allez comprendre. Je ne vais pas gagner avec tous les deux. Allez. Si vous avez compris ce que le coach a dit, eh bien, allez-y. Nos canons m'appeler. Nos canons. Allez-y. Nos canons. Ouais. Allez. Ah, maman. Attends, regardez le temps. Voilà. Alors, il ne faut pas qu'il prenne trop de temps, là, David. Il faut qu'il se dépêche, peut-être. Bon. Donc, t'as marqué qu'il est coudé le truc. Tu l'as fait quoi là? Non, tiens ta carabine plus basse. Non, vise bien. Vas-y, allez. J'aime pas les deux yeux. Et pompe, Federico. Allez. Joël, là, voilà. Mais Dieu, voilà, c'est bien. Maintenant, tu te mets bien en face et c'est toi qui actionne le champignon devant toi. Le champignon. Stop, arrête. Il y a un champignon devant toi, Cédric, là, oh! Panique à bord, hein, quand même. Cédric. J'ai pensé, mais j'ai l'impression que c'est mal parti. Je crois qu'ils ont compris, là, maintenant. Plus haut, Sarah, tu m'entends ou pas? Sarah ne m'entend pas, elle ne m'entend pas. Vise plus haut! Plus haut. Tu tires dans les têtes aussi! Dans les têtes de tigre, tu m'entends ou pas? Elle entend pas. Plus haut, Sarah. Mets-toi près de la porte. Non, mets-toi plus près de la porte. Sarah. Allez, Sarah. Et voilà, c'est ça, elle a compris. Quel endouille, je sais pas. Voilà. Bidon. Tout cassé. Oh, tu as l'intention de tout casser dans le sort? Alors moi je vous dis, je pense. Coach, on va vite à une prochaine, mais c'est que vous allez prendre par la fond, j'ose même pas y penser. Bon. Allez, venez vite. C'est de l'autre côté. C'est tellement prendre une par la fond que j'ai peur d'y aller moi. Ha ha ha.